Yop les potes, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour une journée, un moment exceptionnel. L'ouverture d'une display évolution céleste. Je l'ai trouvé ce matin au bureau de tabac de vers chez moi. Elle n'est pas blistée parce qu'il l'avait mis en rayon, quoi. Je suis arrivé, il venait de la mettre, quoi. Il venait de la poser, donc il manque aucun booster. Les 36 sont présents. J'attendais ça avec impatience, ouvrir une display. Donc on va voir ce qu'on va avoir dedans. Alors comme je vous avais dit sur la vidéo précédente d'ouverture Révolution Céleste, je vais le mettre sur le côté. Je sais pas si je vais ouvrir en fait tous les boosters parce que je veux pas faire le master set. Mais je sais pas si on peut peser, c'est compliqué. On va essayer de peser les lourds, les légers déjà. Et puis voir ce qu'il en est. Ok? Alors c'est parti. Je prends une moitié déjà. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 boosters. Donc il y a bien les 18 premiers boosters. Je pense qu'on va se faire en deux vidéos en fait. Je pense qu'on va se faire d'abord la première partie 18 boosters et puis l'autre partie 18 boosters. J'ai quelques boosters aussi en plus en wrap comme ça. Donc on verra s'il y a un petit complément ou pas, tout dépend. Et bah allez, c'est parti. On va essayer de peser ça pour voir ce qu'il en est, quoi. Alors, déjà, on commence avec l'illustration. Noctalie, donc on va peser. L'autre jour on voyait pas très bien, je me suis rendu compte sur la... Je peux pas en fait l'incliner, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si j'incline, enfin la balance... Donc là, 22,75. Je sais pas comment je peux faire pour vous voyez un peu... Ouais, on voit un peu là. 22,78. On va faire une pile de lourd là. Un autre Noctali. 22,82. Le Rayquaza. Magnifique. Hein. 22,82. Alors je sais pas comment ça se passe. On va voir. On va voir. 22,69. 22,73. Je fais assez vite, hein. 22,88. 22,76. En fait, j'ai l'impression que c'est pas du tout. 78. 76. 72. 22,88. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas les mêmes poids que les 22,68. Que les boosters que j'avais ouverts. Enfin, à l'unité, vous savez, dans le blister, quoi. Parce que là, enfin, c'est pas du tout les mêmes poids, quoi. 22,77. 22,77. Donc, du coup, 22,71. 22,76. Ouais, bah, vous savez quoi, en fait, je pense qu'on va tout ouvrir. 22,68. Je pense qu'on va tout ouvrir en fait parce que. Enfin, ce que je comprends pas, c'est que dans les boosters que j'avais acheté, blister, que j'avais acheté à Auchan, tout ce qui était au-dessus de 22,65-66 était lourd. Il y avait quelque chose dedans. Là, j'en prends un autre de l'autre pile qui reste. Ils sont tous en fait à plus de 22,70. Donc, je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas. 67, je reprends un autre au pif. Enfin, en fait, juste pour voir s'il y en a un qui est en dessous de. Non, ils sont tous au-dessus, quoi. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va tous s'ouvrir, je crois bien. Hein. 18 boosters. On va peut-être les reposer quand même. Il y a bien la tare, hein. 22,68. Alors, est-ce que 22,68 est considéré comme léger du coup dans la display
Donc on va voir ça tout de suite, hein, premier booster du Rallygon. Donc celui-là il fait 22,68. Normalement, à 22,68 dans les boosters l'unité que j'avais acheté à Auchan, c'était considéré comme lourd. Mais j'ai l'impression que cette série c'est un peu compliqué de la peser. Donc on va voir ça tout de suite. Hein, mais... 22,68. Hein. Alors, énergie métal. Atracné, aquaquac, mélange multivitaminé, bombidou, vert pomme, ténéfix, goupilou, relasson. Donc là, nous sommes à la reverse. Solochi, je suis bien content de l'avoir en reverse. C'est un dragon, c'est pas mal. Et derrière, et ouais, Tropius. Donc du coup, c'est du coup, je sais pas en fait. Donc, je sais plus. Là, je suis paumé. Vous voyez, là, je commence la vidéo. C'est vraiment un temps. J'ai rien fait avant. Je suis paumé. Donc, du coup, 22,68. Je pense qu'alors que c'est léger. Du coup, alors, on va voir. 22,66. Je vais les mettre de côté pour voir ceux qui sont 22,70. Pourquoi pas. 22,70, 22,75, ouais, regardez, on va s'offrir un qui fait 22,75, évolution céleste, le petit Nectali. Ils sont durs ces boosters, ouais, je trouve. Allez, c'est parti, le petit code, 2, 3. 4. Allez, donc on commence avec l'énergie feu, guerrier, gobelet d'échange. Dites-moi si vous avez ouvert ce que vous avez eu les taux de drop. Normalement, j'ai vu quelques vidéos, ils sont pas trop dégueulasses dans une display. Donc ça me tenait vraiment à cœur d'avoir une display. C'est une des rares fois où j'achète une display sur une série, quoi. Donc en reverse, on a Ruban Bell. Derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Du coup, on n'a rien. Donc 22,70, c'est considéré comme léger du coup. Là, je comprends plus rien. Je suis complètement paumé, les gars. Donc ça fait dire qu'il faut au-dessus de 22,70. 22,74. 22,80. Voilà, on va prendre un 22,80 pour voir s'il y a une différence avec le petit Duraludo. Le petit code 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Donc, l'énergie éclair, foudre, diamate, très joli. Résolution d'Amaryllis, copieuse que j'ai eu en full art, passe rouge, Lupio, chlorobule, Solochi, c'est dur ça, en reverse, vert pomme, et du coup derrière, une holo. Donc j'étais à 22,80 et là on a une holo. Le Marchado holo, qui est très joli, hein, en mode 1000 points, on peut voir, hein, il fait là un peu la technique, tararara, en mode. Donc elles sont jolies. C'est joli, c'est joli. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais la protéger tout de suite. J'ai mes sleeves et tout ce qu'il faut. Hop, je la mets sur le côté. Donc du coup, 22,73. Donc du coup, c'est potentiellement en fait léger quoi. 22,80. 22,70, 22,71, donc là ça serait plus plausible, 22,79, 81, 75, on va le considérer comme lourd, 82 aussi, donc c'est pas du tout les mêmes poids, 22,83, c'est pas du tout les mêmes poids que quand j'avais ouvert les boosters à l'unité, c'est quand même dingue.
22,88. 22,88. Et 22,83. Bon, écoutez, on va s'ouvrir déjà ces boosters-là. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 boosters. On va voir ce que ça va donner. Allez, on repart avec un petit Noctalie. Alors, est-ce qu'on va avoir notre première ultra? Donc, pour le moment, on a eu une holo en deux boosters. Trois avec celui-là, mais dans deux boosters. Non. En trois boosters, ouais. Celui-là, c'est le quatrième. Donc, Crabagar. Gobelet d'échange. Badge élémentaire. Inupio. Emolga. Chauve-sourire. Tornicoton. Barpo. Milobulus en rare reverse, que j'avais déjà celle-ci. Et derrière, donc là derrière, on a une VMAX. Ouh, et ben c'est bien. Donc là, elle était à 22,83, il me semble, je sais plus. Et là, on pioche le Noctali VMAX. Full art, magnifique. Magnifique carte. Donc là, j'ai des autres sleeves. Les autres sleeves. La protéger tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et voilà. Je vais vous refaire un peu de plus près. Notre première VMAX qui tombe. On va les mettre de côté. Ok. Donc, de toute façon, on ouvre tous ceux qui sont là. Le Rayquaza. Ils sont censés être lourds. Donc, si ça se confirme ou pas. Hein. Pour le moment, là, 2, 3, 4. On va dire que ça s'est confirmé sur les deux boosters qu'on a eu. Parce que celui d'avant, c'était une holo, donc le Marchado holo. Et celui d'après, le Noctali VMAX, qui n'est pas des moindres quand même. Énergie. Oh, l'ombre. Casque intégral, Hypnomade, Watt, Culbutoke. J'aimerais bien voir le Pikachu aussi. J'ai toujours pas réussi à sortir le Pikachu quoi. Crabicoc, Popotas, en reverse, Gant excavateur. Et derrière. Donc, du coup, derrière, on a encore quelque chose. Et là, ça sera une VMAX. Une VMAX alternative. Oh là 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 là. Non mais cette série est dingue les amis. Cette série est dingue. Philali VMAX alternative secrète. La 205 sur 203. Regardez-moi ça. Waouh. Juste waouh. Mais juste complètement waouh. Je chope tout de suite une sleeve. Une sleeve, sleeve, sleeve. Hop. On la protège tout de suite. Hop là. Ah ouais, je suis vraiment content. La Philali VMAX Alternate. Elle est vraiment belle. Hein. Regardez le Philali, il joue avec son rouleau de paille, quoi. Magnifique. J'ai pris des petits top loaders aussi au cas où. J'ai bien fait. Bon, ils sont pas en super état, les top loaders. Hein. C'est pas les meilleurs états que j'ai pris, mais bon. Voilà, au moins, elle est protégée. Bon, bah écoutez les amis, hein, pour le moment, donc du coup, c'est, faut que ce soit au-dessus de je sais plus, 22, je vais faire juste une pesée à chaque fois, ça c'est ceux que j'avais mis de côté, les 9, hein, qui étaient potentiellement lourds, donc là 22,85, il est potentiellement lourd, très lourd aussi, et je me souviens que j'avais ouvert des très lourds justement, qui étaient à 22,72, les booster unités. Et là, c'était très lourd, et dedans, j'avais une holo classique, quoi, donc 3, 4. Allez, donc l'énergie, plante, badge, feuille neige, hippotocus, guerrier qu'on a déjà eu, furigon, nodulite, quel bétoquet, granivole, tilton,
Goupilou en reverse, qui est très joli. Et du coup, derrière, là derrière, ça sera une holo. Le Reichu, magnifique holo hein, de Harita, hein, qui est magnifique, hein, mais que j'avais déjà chopé. Donc, ça sera un double. Donc, Kira à l'échange. Ouais, bah alors on vente, hein. On peut garder 50 000 doubles. Puis ça, c'est des petites cartes qui peuvent intéresser. Dans un lot, ça peut être cool, quoi. Hop. Hop. Et hop. Du coup. Donc celui-là, il faisait 22,85 hein, quand même. Hein. Donc ça fait genre très lourd, quoi. 22,87 celui-là. Donc genre encore plus lourd, le Rayquaza, énervé, hein. Allez, le petit code, 2, 3, 4, je crois qu'on a quelque chose, je crois qu'on a quelque chose, énergie, jouer attrapeur, qui me fait penser aux zappeurs dans les zombies Black Ops 2, pour les connaisseurs, Roy, Seracrol, Soloshi, Pitrouille, Caravana, Tournicoton, hop là, passe rouge, ah, Roublenard en reverse, on est juste avant on a eu Goupilou et là on a Roublenard en rare reverse, et derrière, donc on a bien quelque chose, donc c'est une V, notre première V, donc la 58 sur 203, et je l'avais déjà, Galvagon, c'est la première rare que j'avais pioché dans ma dernière vidéo ouverture de 4 boosters Évolution Céleste, mais qui est très joli. Hein. Pareil, hein, ça ira donc à l'échange ou à la revente pour pouvoir justement continuer d'investir dans la collecte. On va la mettre là. Hein. Pour le moment, on a eu deux holos, Philali VMAX Secret, Noctali VMAX et le Galva. Hop. Je vais faire deux piles là. J'aime bien tout trier en même temps. Hein. En fait, je mets les reverse d'un côté, les rares d'un autre, et puis les rares reverse d'un autre. Comme ça, au moins, j'ai après pour trier, c'est mieux quoi. Donc, il nous reste potentiellement 5 boosters lourds. Donc, ça, c'est toujours dans la pile des 9 que j'avais mis de côté. Hein. Donc, 22,80. Je vais les 17, je suis pas sûr à quelque chose. Donc 22,80, on va voir hein, le petit Noctali. Et bon, j'ai vu la vidéo de. Ouais, mais voilà. Le truc, c'est que David K, il a ouvert. Donc, il a fait une dernière vidéo où il a ouvert donc, des boosters, mais je crois que c'était des boosters, c'était pas issu d'une display. Et en fait, vous voyez qu'entre les boosters que j'ai ouverts la dernière fois à l'unité et les boosters d'une display, en fait, les poids ne sont pas les mêmes. Donc, du coup. Du coup, parce que dans sa vidéo, il y en a un qui fait 22,54 et dedans, il chope une VMAX. Mais bon. Après, dans les autres qu'il fait derrière, il chope rien par contre. Attraqué. Non. Je crois qu'on n'a rien ce coup-ci. Ou alors une holo peut-être, mais pas d'ultra en fait. Ton. Fragile Lady en rare reverse. Plutôt sympa. Et derrière, voilà. Donc derrière, vous voyez, on n'avait rien. Donc, rare reverse et avec le Colorier. Hop là. Hop. Ensuite, Noctali. Noctali, Noctali. Enfin, si je pourrais avoir, alors, ou ravoir la Noctali VMAX Secret que j'avais eue, ou alors un Rayquaza. Je serais tellement refait. Ouais, voilà, je me suis spoil. Je pense qu'il n'y a rien. Ou alors, fouette, c'est une holo. Parce qu'elle m'a glissé des doigts en fait quand j'ai fait le 1, 2, 3, 4, celle de derrière. Elle est passée sur. Oh, QRM quand même. Donc, c'est encore une rare reverse. C'est plutôt cool. Et là, voilà, Sharpedo. C'est bien ce que en fait, quand j'ai fait 1, 2, 3, 4, il y a celle-ci qui est venue et en fait, je l'ai touché là et j'ai senti que c'était tout lisse. C'est pour ça que je me suis dit, oui, une holo et encore un holo. Enfin, voilà. Donc, hop, la rare.
Et celui-là, il fait combien déjà? 22,75. Moi, je pense que dans celui-là, donc du coup, 22,67, normalement, il n'y aura rien, quoi. 22,80 potentiellement dans celui-là, quoi. Donc, dans les deux qui viennent, normalement, il n'y aurait rien. Le filali, magnifique. Après, c'est pas une science exacte, hein, franchement. Moi, je pèse parce que, comme je vous ai dit, je veux pas faire le master set, le full set, donc j'ai pas envie non plus d'avoir l'écho, unco, voilà, que celles qui me plaisent en fait. Voilà, il y a des différentes façons de collectionner. Hein. Il y en a qui comprennent pas. Hein. J'ai eu des commentaires sur ma dernière vidéo parce que j'ai pesé, on aurait dit c'était une immondicité, mais bon, écoutez, quand on voit le nombre de cartes qu'il y a. Bagaïde, qui a dans cette série, je suis désolé, je suis pas riche à un point de faire toute la série, quoi. Même si c'est une très très jolie série, hein, franchement, il n'y a pas à chier. Hein. Roy en reverse, et derrière, je crois qu'on a quelque chose. Oui, on a quelque chose, donc une VMAX, la 29 sur 203. Ouh, pas n'importe quelle VMAX, encore une fois, hein. Ah, je suis bien content parce qu'on se tape pas les n'importe quel VMAX quoi. On se tape les belles VMAX. Alors là, il y a des petits points blancs. J'ai pas l'impression que ce soit. On dirait plutôt que ça fait genre comme de l'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, les Viator VMAX. Alors, je suis bien content hein, parce que. Pokémon première gen, moi je signe tout de suite. Hein. En plus, en VMAX, c'est magnifique. Léviator VMAX. Si on pourrait avoir. Donc, vous voyez, normalement, j'étais censé, je me disais rien à voir. Mais bon. Pardon, pas devant vous. Un petit booster Rayquaza. Le code. 4. Allez, on continue. Je ne sais plus comment il faisait. Hein. Podocus, Tentacruel, Kankerchou, Bombido, Tynion, qui est très joli. Hein. Franchement, je trouve l'artwork magnifique. Menupio, Tenefix, Tedursa, Froussardine en rare reverse, encore une fois. Hein. On en a eu pas mal de rare reverse, mais de rien. Et là, non, nous avons rien. Un petit Drayle. Mais pas d'holo, pas d'ultra quoi. Mais c'est très bien. On a eu quand même une rare reverse. C'est cool, les rares reverse, pourquoi pas pourquoi pas. Donc là, c'est le dernier booster des 9 que j'avais du coup de côté, qui était potentiellement lourd. On repesera les autres que j'avais laissé de côté pour voir. Donc celui-là, il faisait 22,81, donc potentiellement quelque chose quoi. On va voir ça tout de suite. 2, 3, 4. Je ne suis pas fake dans ce moment. Je pense pas. Alors, on commence. Energy Plan. Bagaïde. Ursaring aussi que je trouve très bien badass. Nodulite. Flabébé. Chiton. Elionso aussi que j'adore. J'avais pas eu, je crois, encore. Nemelios aussi. Vous voyez, c'est des petites cartes voilà, que je chercherai à avoir. Pour la collecte, parce que c'est des cartes que je trouve jolies en fait, c'est pas non plus Pio. Copieuse en reverse, et derrière, et du coup, vous voyez, 22,81, et là il n'y a rien. Donc, copieuse en reverse, et Charpedora, le petit Alionso que je trouve très joli, que je vais laisser de côté. Donc voilà, alors, sur les 9 boosters potentiellement lourds, là c'est fini. Là, c'était l'autre partie donc des 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, des 9, hormis les premiers que j'avais ouverts. Donc là, il me reste 6 boosters. On va les repeser juste pour voir comment ils font. Et on va voir. Je vais voir si je les ouvre ou pas parce que j'y comprends plus rien en fait. Je ne vais pas vous mentir. 22,74, tout à l'heure, on a eu Léviator VMAX. 22,74. 22,78,
22,74. 22,69, donc celui-ci, je pense qu'il est complètement léger, je pense. Hein. Et 22,67, pareil. Je pense que c'est complètement léger. Donc on va laisser de côté cela pour le moment. Et quoi, on va s'ouvrir les autres, hein. Les quatre qui sont là. Bah, en plus, regardez, les quatre, c'est les quatre illustrations de la série. Le Noctalier, le Duralugon, le Rayquaza et le Nymphali. On va commencer par le Nymphali. Donc là, pareil, là, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose, hein, mais bon. Le petit code. 2, 3, 4. Après, voilà, c'est vraiment pour... là, c'est la première display que j'ouvre... Donc, quitte à ouvrir même des boosters qui sont légers et qui ne m'intéresseront pas vraiment pour l'ouverture. Enfin, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, on découvre ça ensemble, ça fait une belle vidéo. Enfin, même deux vidéos, du coup, je vais faire. Tournicoton, Love Disc. Oh ! Articodin de Galar. Voilà, ça, c'est des holos aussi que j'aimerais avoir, vous voyez. En rare reverse, du coup. Très belle. Et derrière, est-ce qu'on a... Donc oui, on a quelque chose. Et du coup, la 95 sur 203, Noctali VMAX encore. Non. Enfin non, enfin, ça fait une belle pièce d'échange, quoi. Mais non, quoi. Il y en a plein d'autres. Pourquoi deux Noctali VMAX? Bon, très, hein, ceci dit, très très belle carte. Hein, mais il y en a plein. Il y a plein d'évolutions. Même si Noctali, c'est une de mes préférées, mais j'adore Pyroli, quoi. Là, il m'aurait sorti Pyroli, j'aurais signé tout de suite, quoi. Hop là, les cartes qui se barrent. On continue. Le Rayquaza, mon ami. Mon ami Rayquaza. S'il te plaît, mon ami Rayquaza. Mince, pardon, excusez-moi, je n'ai même pas fait voir le petit code de... 4. Alors, énergie combat. Ça se casse pas la gueule. Joli. Arôme thérapeute. Baïsoko. Marpeau. Hippopotas. Ponchio. Goupilou. Glaçon. Tentacool. Et je crois qu'il n'y a rien derrière. Et roublenard en rare. Donc, le tentacool. Le roublenard ici. Vous voyez, c'est compliqué en fait de peser. Je... Oh, bah voilà, enfin! Enfin, une carte que je voulais. Qui n'était pas une ultra, hein, mais que je voulais. Vous allez voir. Que je vous ai dit tout à l'heure. Que j'avais toujours pas eu. Ah bah, voilà. Je suis allé trop vite. Le Pikachu, enfin! Le petit Pika qui tombe. C'est cool. Je le mets de côté. Allez, Pio. Ponchio, Drabi, ah bah, un autre Elionceau. Oh, rare reverse, Regidrago. Très belle carte aussi. Et derrière, le Pharamp, qui est joli, mais qui n'est pas une holo. Ni une ultra, quoi. Mais c'est une rare reverse, donc c'est quand même cool. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon merde ? J'ai cru que j'avais fait un peu de la kick, mais ça va. Et du coup. Le dernier potentiellement parmi les jours, quoi. Les deux autres, je pense qu'on va les ouvrir juste pour la curiosité qui faisait, donc 22, 60 et quelques, pour voir, quoi. On sait jamais, hein. Mais bon. Même si là, je pense qu'il y aura rien. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Vigorotte, Fréball, Résolution d'Amaris, Bagiguan, enfin, Hippopotas, Triton. Et Lionceau encore. Ah, le Evoli aussi, enfin, que j'avais pas eu. Vous voyez, c'est des petites cartes comme ça que je souhaite avoir, quoi. Montagne orageuse que je trouve magnifique. Elle est en gold. Et ça serait une gold que je dirais pas non d'avoir, quoi. Et derrière, voilà, vous voyez, ben, je suis trop. Oh, rare normal. Hop. Hop là, et du coup, bah là, il reste deux boosters pour cette vidéo. Les deux plus légers, qui faisaient 22, 60 et quelques. Donc, quand c'est dans les boosters, dans les boosters à l'unité que j'avais acheté à Auchan, qui étaient dans les blisters,
C'était des lourds. Enfin, plus de 22,65, c'était lourd. Là, je comprends pas en fait. Paquet glaçon, rouleau du dragon volant 1000 points. Cravagar, Barpo, Granivol, Tainion, Passe rouge, Tentacool, bec à glaçon, en reverse. Et derrière, une rare Keulerior qu'on a déjà eue. Que je mets là. Hop! Et le dernier, mais voilà, ceux-là, ils sont vraiment légers en fait. Donc, en fait, je ne vais même pas vous dire en dessous de ci, en dessous de ça, ouvrez pas, enfin, tout dépend. Là, pour moi, donc, tout ce qui est en dessous de 70, 22,70, 22,75, il est rien possible d'avoir, quoi. Les cartes un peu abîmées, hein. Non, mais là, il n'y aura rien, je crois. Je me suis spoilé sans faire exprès. Et je crois que je n'ai rien vu. Soporifique aussi, hein. L'artwork qui est magnifique. Hippopotas en commune reverse. Et derrière, Dratatin. Dratatine. Hop. Et hop. Soporifique aussi, c'est des petites cartes comme ça que je trouve jolies, que l'artwork que je trouve très joli et que je garde de côté, quoi. Donc voilà. Alors, du coup, on a ouvert les 18 boosters quand même. À la base, je ne voulais pas les ouvrir, mais je les ai ouverts parce que je ne comprends pas trop tout ce qui se passe. Donc, on va se faire le petit récap. On va se faire le petit récap. Alors, on a eu en holo. La Raichu d'Arita, qui est très jolie. Hein. Le Marchado, très joli aussi. Une V Galvagon V, qui est très très jolie aussi, mais que j'avais déjà, du coup. Donc ça partira à l'échange. Bah, c'est comme les deux holos qui étaient là, je les avais. Donc là, les trois partiront à l'échange ou à la vente. Du coup, on a eu deux Noctali VMAX, quoi, sur la première partie, les 18 boosters, incroyable quand même. Donc, bah, du coup, je vais en garder une et une qui ira à l'échange ou à la revente. Hein. Je regarderai celle qui est un peu en meilleur état que l'autre, blabla. Enfin, vous avez compris, quoi. Même si les deux, hein, vous avez bien vu, sortent de booster les deux, quoi. Hein. Donc, les deux Noctali VMAX, une autre VMAX, le Léviator VMAX. Très joli aussi et magnifique, une évolution, le Filali VMAX Secret Alternatif. Franchement, les effets de Lolo là-dessus sur ces trucs, franchement, comme je disais, les alternatives pour moi, c'est vraiment, enfin, j'étais pas trop hype moi par toutes ces nouvelles cartes ces derniers temps et tout, mais depuis qu'ils ont ressorti les alternatives comme ça, qu'ils ont sorti les alternatives, je trouve ça magnifique, quoi. Donc, la file à l'IV Max. Donc, voilà. Et puis, en 18 booster, au cas où, hein, ça vous fait un beau tas de cartes de communes et peu communes. Ça, c'est juste les communes peu communes. Hein. Les rares et tout ça, je les ai mis de côté aussi. Donc, voilà. Bah, écoutez, on va se laisser là-dessus. Ça fait déjà 33 minutes de vidéo, donc 34 minutes tant que je finis de parler. Je vous laisse avec la petite carte en fond. Donc, sur 18 booster. Plutôt pas mal le quota quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 holos et 5 ultras, dont une secrète. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Rien à dire. On verra l'autre partie des 18 boosters, ce qu'elle nous réserve. Hein. Mais on verra bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Et vous abonner surtout, parce que ben, ma dernière vidéo, enfin avant-dernière vidéo, sur quand j'ouvrais les 4 boosters Évolution Céleste, elle a fait plus de 1100 vues, incroyable, mais bon, les gens sont curieux, c'est normal. Ils sont pas forcément là pour s'abonner, ils sont juste là pour voir, quoi. Mais en tout cas, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres ouvertures qui vont arriver, dont la deuxième partie du display. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bon matin, bon déjeuner, bon tout ce que vous voulez au moment où vous regardez la vidéo. Des bisous, ciao ciao!